Tom Sawyer est un enfant assez indiscipliné qui aime faire l'école buissonnière et il est sans arrêt en train de faire des bêtises, de chercher des aventures palpitantes à vivre. Il en recherche d'émotions permanentes. Tu passeras ton samedi à repeindre à la chaux la barrière de la maison. Non, c'est injuste. Le samedi est un jour de rien faire pour les enfants. Mon dessin, c'était un cœur. Parce que je t'aime, Becky. Mais j'ai peur de rien, moi, Becky, tu le sais bien. Demain, viens me chercher. Pour m'appeler comme d'habitude, fais le matou. Et je passe par la fenêtre. À demain. Demain. Quel évangile? Évangile selon Thomas. Thomas Sawyer. On retrouve dans la pièce la tante Polly, son frère Sid, la cousine Marie, Huck, son copain, l'instituteur Monsieur Walters, Becky, dont il va tomber amoureux, la jolie Becky. Évidemment, le méchant, il y a un méchant dans cette histoire, Joe l'Indien, qui fait peur à tout le monde. Donc je pense que tout le monde retrouvera ses marques, à la fois les gens qui ont découvert cette œuvre par la lecture et à la fois ceux qui ont découvert cette œuvre par le dessin animé. On aime que parents et enfants puissent prendre du plaisir autour d'un même spectacle. Comme Sawyer n'est pas fait de changer, il se met sous son lit pour embêter Tom Polly. Il tombe amoureux de la belle Becky.